Imagine que tu pars en randonnée avec quelques-uns de tes amis au Grand Canyon. Vous aviez prévu de passer la nuit, de camper et surtout de vous éclater. Alors que vous êtes sur le sentier vers votre destination, ton pote le plus rapide, qui adore se la péter, est à quelques centaines de mètres devant toi. Soudain, tu le vois trébucher et juste au moment où il est sur le point de heurter le sol, il disparaît dans les airs, juste sous tes yeux. Comment réagirais-tu ? Ferais-tu confiance à tes yeux ou penserais-tu que c'est une hallucination ? Cette randonnée semble familière, mais ça s'est passé différemment il y a 126 ans. James Byrne Wanson était un cordonnier bienveillant qui vivait à Leamington, Warwickshire, en Angleterre. Il avait sa propre petite boutique où il créait ses propres chaussures et réparait celles des passants. C'était un homme humble, honnête et respecté, mais comme nous tous, il avait des caractéristiques négatives que les autres n'appréciaient pas tant que ça. Il aimait se vanter de temps en temps, et il s'amusait aussi à défier les gens de faire des choses pour le fun. Le 3 septembre 1873, lui et quelques-uns de ses amis se promenaient en ville, parlaient et riaient. Soudain, James eut l'idée de jouer à un jeu. Comme c'était un homme qui cherchait continuellement l'approbation des autres et qui aimait l'attention, il a trouvé un excellent moyen d'obtenir sa dose de reconnaissance. Tu vois, c'était aussi un athlète hors pair et cela signifiait qu'il avait la capacité de démontrer ses habiletés physiques pour impressionner les résidents de la ville. Il a décidé de faire un match contre la nature. C'était sa force et sa volonté contre toute attente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un de ses amis l'a mis au défi de courir de Leamington à Coventry, puis de courir tout le chemin du retour. Ce n'était pas une tâche facile non plus, puisque la distance qu'il devait parcourir était d'environ 32 km. Pour t'aider à comprendre, ça lui aurait pris 6 heures s'il avait marché tout le chemin. Et en supposant qu'il pouvait courir environ 12 km à l'heure, cela signifie qu'il lui aurait fallu plus de 3 heures pour terminer son voyage. Non. Il n'était pas Superman et il lui faudrait faire régulièrement des pauses pour reprendre son souffle. Incapable de se défiler face à un challenge, il a fait preuve de bravoure et sa réponse a été « challenge accepté ». Même s'il était sûr de pouvoir y arriver, ses copains avaient des doutes. Je veux dire, il aurait pu facilement partir en courant à la campagne à l'extérieur de Leamington, s'y asseoir pendant quelques heures puis revenir en courant, faisant semblant d'être épuisé et essoufflé. Alors, pour s'assurer que ce n'était pas le cas, ses amis ont décidé de le suivre. Son challenger, dont le nom reste un mystère, est monté à l'arrière d'une charrette aux côtés de ses deux autres copains. Barham Wise, qui était fabricant de tissus, et Emerson Burns, qui était photographe. Et puis la course a commencé. James Wanson courait à un rythme régulier, tandis que ses amis le suivaient avec leurs roues. Ils avaient réussi à parcourir plusieurs kilomètres d'un pas facile sans même avoir l'air fatigué. Il a fait passer le marathon pour du gâteau. Ses copains ont gardé une certaine distance en le suivant, mais pas assez pour le perdre de vue. Et ils le taquinaient de temps en temps pour l'encourager et à continuer. Mais tu sais ce qu'on dit, le calme avant la tempête. James continuait à courir. Ses amis étaient à environ 10 mètres derrière lui, les yeux fixés sur lui quand soudain, l'inattendu s'est produit. On aurait dit que James avait trébuché sur quelque chose et qu'il était sur le point de tomber. Tandis qu'il tombait tête la première, il poussa un grand cri et disparut dans les airs. Il n'a même jamais touché le sol. Il s'est simplement évaporé. Ses amis étaient en état de choc. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Cette scène les a amenés à s'interroger sur leur propre santé mentale. Où James aurait-il pu l'aller ? Les trois copains se sont arrêtés, sont descendus de la charrette et ont commencé à le chercher. Ils ont parcouru l'intégralité des alentours pour voir s'ils pouvaient le repérer. Peut-être qu'il faisait une farce. Peut-être qu'il n'avait jamais été là. Ou peut-être qu'il s'était téléporté. Personne n'a pu expliquer cet incident par la logique. Ses amis étaient traumatisés. Après avoir passé un certain temps à essayer de le localiser sans succès, ils ont commencé leur voyage de retour à Leamington. Une fois arrivés, ils se sont mis à partager l'événement incroyable dont ils venaient d'être témoins, expliquant la manière dont leur ami avait disparu sous leurs yeux, comme s'il n'avait jamais existé. Maintenant, si tu entendais cette histoire aujourd'hui, tu hocherais la tête avec incrédulité et tu supposerais qu'ils ont dû lui faire du mal. C'est aussi ce que les autorités ont cru à l'époque et les trois hommes ont été arrêtés.
Les enquêteurs ont commencé leurs interrogatoires pour savoir ce qui s'était passé. Au début, ils croyaient que les amis étaient responsables de la disparition de James. Cependant, après un certain temps, ils n'avaient aucune preuve à l'appui. Et comme il n'a jamais été retrouvé, ils n'ont pas pu être poursuivis. L'histoire a fait la une des journaux et les gens ont commencé à émettre des théories sur ce qui s'était passé. Certains croyaient que ces trois types cachaient la vérité sur la façon dont les événements s'étaient déroulés là-bas. D'autres croyaient qu'ils disaient la vérité, mais d'autres encore ont adopté une approche plus surréaliste pour expliquer ce qui s'est vraiment passé. D'ailleurs, le monde et l'univers étaient encore un mystère dans les années 1870. Certaines théories disent que James est accidentellement entré dans une quatrième dimension, ce qui l'a fait disparaître. Ok, nous savons tous que nous utilisons la 3D pour expliquer et mesurer la largeur, la hauteur et la profondeur. Mais que se passe-t-il si nous entrons dans une quatrième dimension ? Eh bien, ce n'est pas possible. L'espace de quatrième dimension est une direction hypothétique dans notre géométrie 3D. Il est utilisé par les mathématiciens pour expliquer quelque chose en utilisant des dimensions spatiales. Ainsi, un humain entrant dans une dimension imaginaire n'aurait pas été possible. Selon une autre théorie, James s'était téléporté. Pendant qu'il courait pour atteindre sa destination et gagner le défi, il s'est téléporté à un autre endroit, peut-être même dans un autre pays. Cela signifie-t-il qu'il a dépassé ses capacités et qu'il a gagné la course ? Haha ! Blague à part, même si les gens croyaient que la téléportation était possible à l'époque, ce n'est certainement pas possible maintenant. Cependant, la téléportation quantique est un phénomène réel et très intéressant, mais c'est une toute autre histoire. Alors, que s'est-il vraiment passé ? Cela ne pourrait-il pas être le fruit de leur imagination ? La réponse n'est pas si simple et j'y reviendrai dans une seconde. Cet événement a été écrit par Ambrose Gwinnett Pierce, qui était un journaliste et conteur très respecté au 19e siècle. La disparition de James Watson a été nommée « The Unfinished Race », la course inachevée, et elle a été publiée en 1888. Rien ne prouve que James Watson était un personnage de fiction. N'oublions pas que Pierce, l'auteur de l'histoire, enquêtait habituellement sur des événements étranges, ce qui lui a valu la reconnaissance pour son excellent journalisme. Mais c'est là que ça devient intéressant. Nous connaissons tous la citation selon laquelle l'histoire se répète, et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Ambrose Bierce, comme James Watson, a disparu ne laissant aucune trace derrière lui. À l'âge de 71 à 72 ans, le célèbre écrivain s'est rendu au Mexique. C'est là qu'il a rencontré le révolutionnaire Francisco Pancho Villa, et l'a rejoint en tant qu'observateur. Le 26 décembre 1913, Ambrose a écrit une lettre à l'une de ses plus proches amies et collègues journalistes, Blanche Partington. Il lui a raconté toutes ses aventures, où il avait été et ce qu'il faisait à l'époque. Vers la fin de sa lettre, il a écrit « Quant à moi, je pars d'ici demain pour une destination inconnue. C'était la dernière fois qu'on a eu de ses nouvelles. » Il y a même eu une enquête officielle sur sa disparition où beaucoup d'hommes de Pancho Villa ont été interrogés, mais sans succès. Plus tard, la rumeur a circulé que Bierce avait disparu, et avec cela, beaucoup de théories ont fait surface. L'une d'elles affirme qu'il a été vu pour la dernière fois dans la ville de Chihuahua, au Mexique, vers janvier 1914. Une autre dit que pour commencer, il n'avait jamais été au Mexique. L'une d'elles en particulier indique qu'Ambrose Bierce n'a jamais envoyé cette lettre à son ami proche. Ceci est basé sur le fait que sa lettre n'a jamais été retrouvée. La seule chose qui existait était un carnet qui appartenait à sa secrétaire. Dans ce livre, il y avait un résumé d'une lettre et sa déclaration selon laquelle elle avait été détruite avant d'être envoyée. L'histoire ne cessait de gagner du terrain. Malgré l'abondance de théories folles qui spéculaient sur ce qui est arrivé à l'écrivain disparu, tout comme son personnage littéraire, James Byrne Watson, une chose est sûre, son destin demeure un mystère. Qu'est-il arrivé aux journalistes et aux cordonniers ? Penses-tu que l'auteur a disparu pour son travail ? Et les trois hommes dans la charrette ? Fais-moi part de tes propres théories dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais hé, ne va pas te téléporter tout de suite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer.
Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo à gauche ou à droite, de cliquer dessus et de profiter. Prends la vie côté sympa.